生き続けるでしょう。誓い合った絆が Jen Tetsuya, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Harvest Moon. Donc nous sommes toujours à la quête, entre guillemets, de l'oiseau bleu, de l'oiseau mystérieux. Du coup on est toujours en quête, toujours du lait. Alors, qu'avons-nous comme requête aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de quêtes hein, cette fois-ci. Alors Nova, qu'est-ce qu'elle me veut? Des œufs? Oh! Elle me donnera des minerais, ok, de la cendre. Ah oui, il faut que j'aille pêcher, c'est vrai. Des dahlias roses. Et des roses tout court. Ok. Allez, on récolte. Comme ça, c'est fait. Demain il va peut-être pleuvoir, bon, bien entendu. Car on voit qu'il fait nuageux. Donc on verra bien. On a des poivrons à certains endroits et à d'autres non, en fait. C'est pas encore l'heure de la récolte. Qu'est-ce que c'est là? Des fraises là? Ouais, des fraises. On a toujours notre arbre qui grandit, pousse. Et je ne sais pas du tout à quel moment il va finir sa pousse. Quel moment il va devenir grand, assez grand. Là on voit son pied un peu là. Ouais, il est tout petit encore. Ah. J'ai plus d'eau d'ailleurs. Il me faut déjà, j'ai trois animaux déjà, il me faut un truc dessus sur chaque minimum. Alors là on avait planté aussi des piments. Et on y va. Donc là du maïs pour la penanta, pour faire du fourrage, etc. J'en ai zappé un. C'est quoi les trucs que je fais pousser là? Sûrement pour les outils, pour les améliorer au niveau supérieur. Mais je ne sais plus ce que j'ai planté. C'est bête. Ah oh non, mais regardez-moi tous ces arbres qui se plantent sur mon terrain. C'est pas gentil. Bon, eux, ils souhaitent toujours rien à part manger, donc on va les laisser manger. Le poussin, ça grandit vite, normalement. Bon, elle n'est pas encore assez grande. Tiens, vas-y, recommence. Alors, donc de ce côté-là, c'est fini pour aujourd'hui, donc on va travailler sur les requêtes. Bon, les requêtes qu'on peut faire, donc la pêche, pour pêcher les cendres, voilà. Non, plus là. Il y a deux poissons, je crois. À moins qu'il y en ait que un. Là, il y en avait bien deux. C'est
peux cette fois. Allez, vas-y, viens. Deux cendres, il nous faut deux cendres, s'il vous plaît. Alors, est-ce que t'as une cendre, toi? Non, t'as pas une cendre. On t'a pêché pour rien. On t'a pêché pour rien. Tournesol. Hop. Bon, bah on a fini la requête. Mais Carole, elle est pas encore là à cette heure-ci, il me semble. Du coup, on va faire une autre requête avec la pêche. Y'a personne? Ah, là, y'a du monde. Y'a bien une petite cendre qui va venir se perdre sous mon machin. J'étais trop vite! Et du coup, y'en a plus. J'ai pas de pierre de construction sur moi, désolé. Bon là il y en a trois. Pourtant c'était allé vite cette fois-ci, mais au bout de la quatrième fois, moi je pense que c'est automatique qui va prendre le morceau. Et non en fait. C'est trop petit pour être une cendre ça. Qu'est-ce que ça va être? 4. Voilà, c'est la cinquième fois. C'est un autre poisson, un carassin. Génial. On en a déjà dans Fantasy Life, les carassins. Donc, j'aurais bien une cendre. Oh, elle va se prendre moi, à moins que je lui bouche le passage. Le petit lynx. 4. 5. 6. Exprès, moi je veux une cendre, il me donne tous les poissons possibles et imaginables dans le secteur à part la cendre. J'y pensais, je peux pas lui acheter la cendre pour la lui donner après, non, ce serait trop facile. Ah, celui-là est plus dur comme poisson. Ah! Une cendre. Plus qu'une. On est bien là, on va faire deux requêtes aujourd'hui. C'est un petit pêchon qui décide de venir se faire ferrer. Toi là, ouais. Quatre. Je sais pas si c'est une cendre. Oui. Attends, je te refais un câlin. Voilà, il n'y a pas eu de cœur aujourd'hui. C'est dire, laisse-moi tranquille en fait. Je veux pas te voir, je veux pas te parler, Luna. Bon, je me rappellerai toujours que remplir son seau d'eau, ça fatigue. Oh, je suis tombée dans les pommes à cause du seau d'eau. Alors, du coup, comme requête, elle est là-bas. C'est qui voulait descendre? Ouais, je crois que c'était Bastien aussi. Alors, on y va! Bah, dis donc, c'était bien long.
Voilà tes dahlias, chère madame. Ouah, qu'elles sont belles, ça me fait un beau bouquet. Merci de ton aide, j'espère que tu voudras bien m'aider à nouveau. Ils sont encore sur l'oiseau bleu. Tiens, voilà tes cendres. Magnifique, ça a l'air superbe. Je vais en faire un plat miraculeux. Je pars cuisiner, mais on se reverra. Recette de baguette. Pourquoi pas? Eh, salut toi. Si tu n'as pas le bon ingrédient, tu peux parfois le remplacer par un légume de la même catégorie. Ok, d'accord. Ah, fallait que je vende aussi. Mais quel jour? Allez, chargement. On t'attend, chargement. Vendredi, donc oui, demain, je sais pas s'ils seront ouverts à la sortie. Ça fait moins longtemps pour aller dans la maison. Alors 9 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 9. Tiens. Poisson peut-être. Peut-être qu'il en veut aussi. Ouais, j'en reviens un poisson. Les truites arc-en-ciel, c'est rare. Trouvable de jour en montagne. De l'été à l'automne. Putain, c'est mon bleu. Je dois pas les avoir pêchés alors. Ah si, mais en fait, j'ai pas atteint le quota max ou le quota minimum. C'est bon, on a fait tout ce qu'on avait à faire de la journée, on va pouvoir aller passer le temps. En dehors des chargements. Très bien. Tiens, on va aller s'épuiser dans la mine tant qu'on y est. Et puis le lendemain, on ira faire un tour du terrain pour voir s'il n'y a pas des trucs à enlever. Donc une fois, on enlève de la laine, les dernières roses, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai du coup comme requête? Donc la laine, l'œuf, et toi tu voulais quoi? Une rose. Ah oui, je crois que c'est ça que j'ai planté, les roses. Allez, on va miner pour avoir des sous. Niveau 16, go. Pour le prix d'effort d'un seul, quoi. Bon, après, faut trouver l'escalier. Oh, il est là, hein. Juste au-dessus, ici. Même pas. C'est nul. Matériaux de verre, tu peux mieux faire. Minerai de péridot, ça va. Minerai d'or, ouais. Minerai de péridot, ça va. Je suis sûr, on peut encore atteindre un étage. Pas par là en tout cas.
où est-ce qu'il est, dis donc. Nickel. Pierre nulle, pierre nulle. Matériaux de verre nul, pierre nulle. Eh non, mais je suis venue jusqu'ici juste pour ça. J'ai sué sang et eau pour, juste pour trouver des pierres que je peux trouver dehors. Super, génial. Faudra aussi que je fasse des champs sur cet endroit-là. Ça pourrait peut-être donner des ingrédients de meilleure qualité. Ouais, je vais lire, j'ai envie de lire. Là c'est propre, là c'est propre. Le plaisir d'avoir un terrain propre, c'est ça. Et bien voilà. Fabriquer le lait, non? Des baguettes! Ah oui, il faudra du beurre. Ou du super beurre. Une blinde de beurre pour faire ta baguette, dis donc. Faudrait quand même qu'on fasse quelque chose d'intéressant dans cet épisode. Ah, c'est quand je dis... Ah non, j'ai laissé mes animaux. Ah non, je les avais pas sortis. Bonjour, je viens te prévenir qu'il y aura bientôt un festival de feux d'artifice. Le festival aura lieu le 25. Tu devrais trouver quelqu'un à inviter pour y aller à deux. Comment j'invite une personne? Qui vient de parler de son oiseau bleu encore. Oui. Le festival de feux d'artifice, c'est déjà maintenant. Oui, je n'ai rien de prévu ce jour-là. On pourrait aller le voir ensemble. Je viendrai chez toi te chercher entre 5h et... On va dire 8h. Attends-moi chez toi. Moi aussi, j'aime les feux d'artifice. J'ai hâte d'y être. On en a déjà! Super! Et il était censé pleuvoir aujourd'hui, j'avais prévu de la pluie. Comment ça, c'est pas possible la pluie? Non mais où? Faut que je me mette un mémo. Gabriel, entre 5h et 7h59. Sinon je vais oublier, je me connais. Gabriel, après il devrait aller plus. Est-ce qu'on pouvait inviter des filles ou pas? Je sais pas, hein. Après on va aller voir si... Mais non, je vais faire... Si les animaux ont assez grandi pour avoir soit des œufs, soit de la laine, soit du lait, ce serait bien pour continuer l'histoire. L'œuf et la laine, bah, pour les requêtes. Eh non, t'as vu que celle-là et celle-là.
Allez, c'est fini. Bon, ces mauvaises herbes viennent chez moi m'embêter. Bon, après, recherche fourrage. Bon. Là, on est toujours pas prête à me donner du lait. Très bien, je vois ça comme ça. Ouais, un jour ou l'autre. Je vais peut-être dormir 3 fois d'affilée. Et, et toi, t'es toujours un petit poussin? On peut pas voir dans combien de jours elle est adulte. Elle deviendra une poule adulte. Ouais, combien de temps? Combien de jours? Un poussin, c'est encore 18 ans, hein, quand même. Bon, je vais voir si j'ai toujours assez les autres ingrédients, là, je sais plus ce que j'avais. Ouais, il y a toujours du lait. T'imagines, elle me donne du super lait, du coup, il n'y aurait qu'une seule fois. D'avoir autant de bêtises sur mon terrain en un seul jour. Et je dors même pas 8 heures et hop, il y a des petites poules d'or qui poussent. Ah, mais je les avais pas vues celle-là, mon dieu. Toi encore, t'es combien? Ah, je veux de l'argent. Bon ben on va aller là-bas, on va lui donner ses minerais d'argent, je vais essayer de faire... Combien il faut d'argent toi? 3 d'argent. C'est vrai qu'il faut plusieurs minerais d'argent pour faire de l'argent. Trop la vie. Parce qu'il en veut aussi de l'argent. S'il en voudrait pas, j'étais sûre d'avoir assez, mais là... Voilà quoi. Hop là. Tout se passe bien, Jen. Oui, tiens, j'ai un vrai d'argent. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu m'en ramènes aussi rapidement et d'aussi bonne qualité. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. En tout cas, merci encore, Jen. Comme par hasard, il me manque un argent. Eh bien, on va essayer d'y aller, voir cette un d'argent. Hop. Objectif, argent. Donc c'est top. On continue un peu histoire de s'épuiser. Suffit de demander et puis ça arrive bien. Du topaz, mais c'est génial.
Allez, on continue. Ouais, je vois plus ça vers en haut l'escalier. J'aurais peut-être zappé en plus celui-là. Du vert, c'est nul. Topaz, c'est bien mieux. La pierre, c'est nul. Le péridot, c'est bien mieux. Allez, on va à la surface. Ces trois argent, je rentre de ce pas chez moi pour débloquer une nouvelle zone. Donc ce sera celle tout en bas. Oui, il faudra faire un petit peu de marche depuis la maison. Mais voilà, quand même. Je sais pas ce que je ferai là. Je peux planter plein d'arbres. On va voir déjà la superficie du terrain qui est en bas à débloquer. Et après, on avisera. Allez, on traverse comme ça. Comme ça. Mais ça rigole pas, ça, c'est un grand terrain. Il y en a encore un là-bas. Ah, on a peut-être dû débloquer celui-là en premier. Bon, c'est pas grave, on va revenir au début. Ah, faut du bronze pour lui. Bon, le bronze, on en a, c'est pas ça le souci. Allez, on va un petit peu déblayer l'endroit. Après, on va aller dodo. Allez, au dodo. Faites qu'il pleuve demain. On a trop envie qu'il pleuve là. Le fourrage, j'avais oublié d'aller le chercher. Oh, mais ce sera pour aujourd'hui. On est dimanche. On avait demandé à ce qu'il pleuve. Un appât ordinaire fois 20. Allons voir ça. Oh, il commence à bien grandir. Veux-tu ces étages pour plus tard? Non. T'es fou, toi. Non, mais c'est quoi tout ça là? Vieux moulin et regardez ce qu'il y a pas de moulin. 36 milliards d'arbres. Celui-là, on peut pas les. Il me faut de la polenta. Je suis toujours déjà faim. Non, c'est trop tôt, faut attendre 24 heures. Bah,
je m'en bats les steaks. Tenez du fourrage. Encore aujourd'hui, dis donc, le lait. Oh! Oh, mais c'est une poule! Elle a grandi! Mais ça, c'est parfait! En plus, il fait le bruit des poules, trop mignon. Produit un œuf chaque jour. Donc aujourd'hui, on est au tôt. Donc demain, on viendra directement au matin avant les plantations. Avant les plantations. Ouais, donc dimanche, y'a rien à faire normalement. On va arroser. Donc, on a une poule adulte. L'agneau n'est toujours pas adulte, mais on l'a eu. On l'a eu après. Donc ça, c'est pas trop grave, mais quand même. Nao, notre vache, elle met beaucoup de temps à devenir adulte. Je crois que j'avais le même problème sur la version 3DS. À chaque fois que je venais, je me disais, oh mais non, mais elle est toujours pas adulte. Ils aiment bien les flamants. Donc, moi je vais couper ici, comme ça, j'avais pas vraiment besoin de regarder comment j'enlève les plantes, comment je les arrose, et comment je vais aller casser les arbres et les pierres qu'il y a en bas. On se retrouve donc mardi, si je me trompe pas. Je crois bien. Pour la suite de notre let's play sur Harvest Moon, donc normalement on devrait avoir du lait dans le prochain épisode, ce sera bien. Très bien.